Il a promis de quitter à l'époque, c'était en deux mots. Oui, il a promis de quitter. Et pendant 300 et quelques années, c'était ses enfants. Mais il y a des vestiges normands là-bas. C'est normand. Ah bon? Il y a des vaches normandes. Il y a une règle avec Laurent, quand il balance sa main dans le saut, c'est franchement tout pour en voir. C'est pas du sucre. Brume, pamplemousse. Il n'y a même pas marqué s'il y a de l'alcool. Ah si, 11. Il y a de l'orange à la limite. C'est pêche. Non mais c'est Prosecco. C'est bon, c'est Prosecco. Il est non filtré. Il n'y a pas beaucoup de gaz dedans. C'est une super longueur en bouche. La finesse et la minéralité d'un pommier, par exemple. C'est un côté beurré là qui arrive, la pâtisserie. On dirait un Bourgogne au nez. La m'embauche, c'est fin. C'est bon. C'est fin. Ça doit un morceau. Le Gaïa, moi, c'est pour ça que je dis que ça doit être le chardonnay. Ah, chardonnay. Alors, c'est du Fiano et du Greco. Mais c'est romain. Apparemment italien, c'est pas mal. Le retour romain. Voilà. Et Fiano Greco, et donc c'est les deux cépages majoritaires dans la compagnie. Créole. Compagnie et Basilicata. Oui. Et abricot, je suis d'accord. Un petit coup d'abricot, pêche et pomme. Trois cépages locaux. Un peu le coin, un peu. Vanille, pamplemousse. Il y a du bois dans cette. Quel type de vin j'aime bien, ça. Nickel. Ah, c'est là. Non, oui, en plus, j'aime bien, c'est gourmand. Point d'oxydation, mais c'est super. Hein. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Oh, ça serait un amarone comme ça, tu le laisses sur un gorgonzola. Là. Quand il y a de la confiture de framboise, il faut y aller. Presque il y a de la fraise des bois aussi. Ouais. Il y a comme du chocolat dans le deuxième. Et, hein. Petite pointe de cacao. C'est très épicé. Ouais. C'est la frise. Il y a la frise à l'eau de vie un peu. La frise à l'eau de vie avec un petit zeste d'épices. Une petite pointe acidulée, le premier. Fruits rouges, cerises, le premier. Parce que la marronne, c'est du Valpolicella à la base. Oui. Mais le raisin est ramassé et mis par terre pendant 6 jours à sécher sur des nattes en osier. Il continue à faire tout le marron comme ça. Il le laisse par terre au soleil. Il met toute la marronne et après, quand il ramasse, le raisin, c'est comme du pastito. Oui, du pastito. Mais il ramasse du raisin. Qui est déshydraté. Oui, il est déshydraté, il n'y a presque plus de jus, c'est pour ça qu'après ça donne un volume. Alors là, on tourne 15 et 16 degrés quand même. Hein. Ça fait un fruit rouge. Amarone classico. Et puis en bouche, on a une petite finale sur l'acidité, un petit peu acidité. Minéralité plutôt que l'acidité. C'est ça, c'est 2004. Barolo. Barolo. Il y a un Barolo et après tu dis des Baroli. Et là, c'est pareil, même chose, tu vois l'évolution du. Le deuxième est beaucoup. Le deuxième qui est 2004. Tu peux l'oublier. Mais il est pourtant plus vieux que. T'as 2008 et 2004. Et 2004, il était plus jeune. Il a beaucoup plus de matière. Il est moins tuilé, il est moins cuivré. Le premier, t'as l'élégance. Sur le 2008, c'est la finesse. La finesse, l'élégance. Mais l'autre, c'est parce qu'il en a encore sous le pied. Il n'a pas tout dit. Il sera très long, mais dans longtemps. Ça, c'est Toscane. Toscane, mais c'est Toscane du Sud. Ça. On a changé de cépage. Hein. C'est là, c'est du Sangiovese, non, maintenant. Ça doit vraiment aller mieux. Tout à l'heure, c'était du Nebbiolo. Bon, il ne faut pas le boire tout de suite, là. Il faut le laisser s'ouvrir, ouais, pencher. Je me suis dit, ça y est. Et là, il est fabriqué exclusivement avec des grottes venues de Merello à Jacques de Philoxera. C'est un petit peu comme les cabernets francs que tu retrouves dans des Bourgueil. Oh, c'est quand même pas du poivron quand même. Non, c'est pas du poivron, mais c'est un peu végétal. C'est un peu végétal. Un petit peu de noyau quand même. Mais c'est sur l'Etna, hein, ça. C'est... Non, et toi, ça. Carbonet. Ça, ce style de vin-là, je le mets sur tout ce qui est à base de tomates. Moi, je l'ai mis avant parce qu'il est encore plus acide que le. C'est pas filtré. Du vin qui est fait par. Il y a un bureau en Sicile, certainement le plus grand pépiniériste d'Europe, voire du monde. Dès que vous voyez un panier, ça vient de Sicile, dans cette région-là. Alors, pas de pépiniériste, panier, tout ça. Ouais. Et bien, donc, il se fait un plaisir et il a ses vignes 800 mètres d'altitude sur l'Etna. Mais il avait. Là, mais ça coule toujours du même côté. Oui, ils sont toujours de l'autre côté. Là, il a pété, il n'y a pas longtemps. C'est pas filtré. Donc non, mais tu veux le garder pendant un an dans ton cas, tu n'auras pas le dépôt. Tu me mets deux verres au frigo. C'est de la calcite. Et comment il s'appelle, j'avais monsieur Culligan, je ne sais pas dans un. Il n'y en a presque plus parce qu'il y en a maintenant, il réfrigérait les cubinox. Justement, il leur donne un coup de froid comme ça, c'est ce qu'on appelle un peu le. Un peu comme pour le lait, là, c'est du. Pasteurisé. Ils font ça beaucoup à Chablis. Ils le descendent pendant une demi-heure à moins 6 degrés. Flash. Ouais. Et le temps que ça flash le.
Et après, comme ça, tous les dépôts tombent dans le fond de la cuve. Et puis après, ils sont chauds, ils ont des épinards. Oui, par contre, ça les dépouille. Bah, évidemment. En Italie, encore plus. Ça les dépouille. Dans les fouilles, dans les fouilles, ils dépouillent. Pardon ? Ils font ça où, là ? Là, à Chablis, ils le font presque partout, maintenant. Ils veulent... bah, les gens, ils ne veulent pas trouver voilà, ce genre de dépôt dans les bouteilles. C'est naturel, hein, les gens, ils n'en veulent pas. Il y a des ancrés chez moi. Non, je vais répondre deux minutes. Non, non, laisse faire, regarde. Là, je suis pas de cadre, il n'y a personne pour nous servir. Il n'y a pas de cadre, c'est ça, ouais. C'est quand même chaud, les Italiens. Caro amigo, Christophe, grazie per questo memento di convinzioni, el del bienvenuto. Bon, ok. Hein? Ils se renvoient entre eux. Je retiens tout ce que je dis. 24 ans. Ça peut, ça peut déraper alors. Elle est promise de l'année dernière aussi sur remboursé en plus. Séance d'une demi-heure de kiné, dont un quart d'heure de scrotum. Donc, c'est ce que j'ai fait la main. Non, non, là, mais au-dessus. Quel doigt qu'il utilise. Il a vraiment mal le chrono. C'est la main sur le. Comment ça s'appelle ? Scrotum. J'ai 40 balais. Je me pointe, il dit monsieur, je voudrais regarder la prostate. Je ne savais pas ce que c'était, moi. Je ne savais pas. Donc, c'est quoi ça ? Je pense à sa vie. Vas-y, mon gars. Il dit la prostate. Il dit non. Non, c'est dans le cul. La terre. C'est rectal. La terre. Je dis putain. Je sors du cabinet, j'appelle mon pote, je lui dis, je suis humilié. On peut prolonger le club de vin si tu veux. C'est ce que je prends 70 balles. Je connais la méthode, je prends 70 balles. Oui, mais nous, on était plus. Ouais. Non, c'est pas le scrotum, il fait la totale. Il fait la planche à repasser, lui. Il passe par le scrotum, mais ça ressemble pas à la même. Il démonte, il remonte. Quand c'est des mecs, quand c'est des nanas, il fait de la derrière. Il fait les scrotums et il finit par les amygdales. Il y a une période assez mouvementée, lui, Laurent. Mais tout ça par l'intérieur. Comment elle se présente le truc ? Je vais vous mettre la main au cou. Non, non. Levez les hanches. Tu sais pas pourquoi, mais t'es allongé. Levez les hanches. Levez les hanches. Donc, tu te. Je voudrais passer la main en dessous. Elle passe la main. Hein ? Et là, elle chope le scrotum et puis elle fait. Non, c'est pas le scrotum.